Bonjour, aujourd'hui je veux te parler de l'impatience. Pourquoi l'impatience? Parce que l'impatience nuit au business. Pourquoi je te parle d'impatience aujourd'hui? Parce que je vois autour de moi énormément de personnes qui se lancent dans le business en ligne en étant persuadées qu'elles vont rencontrer un succès quasi immédiat. Je leur accorde que sur la toile, il y a tellement d'annonces mensongères qui promettent la fortune en un mois en travaillant 1 heure par jour, que je peux comprendre leur crédulité. Mais si l'on réfléchit un tant soit peu, il est facile de comprendre que ce n'est pas possible. As-tu vu dans le monde une entreprise qui cartonne avec un patron et des employés qui ne travaillent que très peu? Je n'en connais pas, car elle n'existe pas, tout simplement. Bien entendu, lorsque l'on commence un projet, on est impatient de voir les résultats de nos efforts, car des efforts, du temps et de la persévérance, il en faut une sacrée dose. Encore plus lorsque l'on commence, tout autant que la patience. La patience, ça s'apprend au fil du temps, mais justement, tu n'en as pas de temps. Oui, je sais, aujourd'hui, encore plus qu'avant, il faut que tout aille vite, très très vite. Mais si les technologies ont vraiment évolué et nous font gagner beaucoup de temps, un temps précieux, il y a des étapes incontournables qui prennent toujours autant de temps, voire plus. Pourquoi je dis plus? Parce qu'il y a plus de monde sur Internet qui n'a qu'une idée, réussir le plus vite possible. Alors je te dis patience, oui patience, tout vient à point à qui sait attendre. Ça se confirme chaque jour. Malgré tout, je te comprends. Avec l'âge, j'ai appris la patience et je ne m'énerve plus lorsque je dois attendre à la poste, au supermarché, chez le médecin ou ailleurs. Ce n'était pas le cas avant. Je sais, avec l'âge, on prend quand même un peu de patience, mais pas toujours pour ce qu'il faut. Seulement, l'impatience de voir son projet aboutir, c'est autre chose. Moi aussi, je suis toujours impatiente, mais je sais me raisonner. Je sais que ce qui est le plus important, c'est la persévérance, la régularité du travail, la qualité de mes choix. Par exemple, si tu fais de l'affiliation et que tu as décidé de promouvoir un produit qui cartonne sur les crypto-monnaies, ce produit a rapporté à son créateur des milliers d'euros. Tu as vu qu'il avait payé des sommes à 5 chiffres en commission d'affiliation. C'est même impressionnant. Cela montre effectivement que ce produit a du succès et aussi qu'il a beaucoup d'affiliés qui le proposent. Alors pour toucher tes premières commissions avec ce produit, il va falloir t'armer de patience. Pourquoi veux-tu qu'une personne lambda, qui ne te connaît pas, clique sur ton lien à toi pour acheter le produit? La probabilité est proche de zéro. Avant cela, tu dois te faire connaître, te faire apprécier par le contenu que tu peux offrir et surtout te démarquer de la foule des autres affiliés. Ce n'est pas en balançant ton lien à droite et à gauche que tu vas toucher des commissions. Je pense que tu n'en auras aucune en faisant comme ça. Encore une chose importante, tu dois respecter tes prospects et ne jamais leur envoyer des emails pour leur proposer ce que tu ne voudrais pas pour toi-même. Il ne faut pas prendre pour des cons, je vais le dire, les personnes qui sont susceptibles de te donner leur argent. Tu dois les respecter comme tu aimes que l'on te respecte. Personnellement, je préfère largement expliquer le comment et le pourquoi je recommande tel ou tel produit, plutôt que de matraquer mes prospects avec des messages qui ressemblent bien plus à des spams qu'à des conseils ou informations utiles. Pour me démarquer des autres, j'ai opté, depuis plusieurs années déjà, pour la vidéo animée. C'est ludique et plus efficace que n'importe quel texte. De plus, la vidéo animée fonctionne pour tous les business existants. Il faut juste choisir le bon angle de présentation. Je pense sincèrement que la vidéo animée peut t'aider à avoir une meilleure visibilité. C'est pourquoi je t'invite à cliquer sur le bouton sur la bannière pour découvrir comment tu peux créer ta première vidéo animée facilement et rapidement. En attendant la fortune, patience et longueur de temps doivent t'accompagner tout au long de ton projet pour une réussite sur le long terme. On se retrouve très vite!